What? Salut à tous et bienvenue sur Sky Factory, un nouvel épisode et... je me suis pris une flèche dans l'œil. Putain, le gars qui a visé la pomme, il s'est pas visé. salut. Hein. Alors évidemment, nous pouvons voler hein, comme au précédent épisode. Et aujourd'hui, what the fuck? Non, c'est ça que je veux. Aujourd'hui, nous allons prendre un petit épisode tranquille. Hein. Nous allons prendre le temps de faire du Magical Crops encore une fois parce que ça fait longtemps... Oh, calmez-vous les vaches. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de Magical Crops. Enfin non, pas très longtemps, mais ça fait quand même un petit moment. Et j'avais envie de m'y repencher, surtout parce que... regardez, je vais vous montrer. J'ai fait la majorité des autres trucs à faire, hein, des autres graines à faire, mais uniquement concernant... Les voilà les impériaux essence puisque franchement les Zivicho essence, j'ai beau avoir fait ma Zivicho ou c'est très très long à avoir comme vous pouvez le voir, 347 jours et j'ai toujours pas ce qu'il faut. Je voulais vous montrer donc les plus durs à avoir, hein, les plus durs, ceux qui nécessitent Tinker Construct. Et j'entends par là, est-ce que j'ai... Bon, on va faire comme ça. Alors, c'était les Infusion Stone. Non, pas du tout. Essence, voilà, alors, pop. Imperio, oui, c'est cela. Alors, j'entends par là. Donc, l'Iron Seed, je l'ai fait. D'ailleurs, il faudra compléter les quêtes. Experience Seed, j'ai fait aussi. C'est relativement... Tout ça, c'est facile à faire. Donc, je m'emmerde pas. Hein. Les Blaze Rod, on les a eu dans le Nether. Les Slime Ball aussi, dans le Nether, avec les Magma Cube. Gastir dans le Nether. L'ardite, néanmoins, on ne l'a pas. Je vais vous montrer comment la faire. Ça, c'est bon. Silver, tout ça, on peut avoir de base. Alumite. Electrum. Invar. Signalium. Celui-là, le Lumium, n'est pas... je ne sais pas comment le faire pour l'instant, mais ça se fera une fois qu'on aura... Parce que si vous regardez le craft, non, c'est... Hop. Voilà, c'est ça. Il me faudrait des Energy Z Glowstone et pour l'instant, je n'en ai pas. Donc malheureusement, c'est pas pour tout de suite. Hop. Donc on avait dit... Silver, c'est bon. C'est encore plus loin. Voilà, le Signalium, c'est exactement pareil que la Glowstone. La seule différence... La seule différence, c'est qu'il nous faut du Destabilized Redstone. Et il y a une autre façon de faire, mais je vais vous montrer tout ça, évidemment. Hein. La Destabilized Redstone, qu'on est capable d'avoir grâce à Caroline. Donc, pas tout le monde ne sera capable de le faire, hein, évidemment, dans sa game, mais moi je peux le faire, donc je vais le faire. Et j'ai tout ici. Alors j'ai tout calculé, hein, tout ce qu'il faut. Donc hop, pour en avoir 4 de chaque, donc on va tout faire fondre. Voilà, 2 obsidiennes, 7 aluminium et 3 iron lingots. Et tout ça, c'est pour faire l'ardite, il me semble, non, ou l'alumite. Tac. Voilà, l'alumite. Donc, l'aluminium, l'iron et l'obsidienne. Bon, ça va mettre un petit temps à chaque fois à fondre. Hein, c'est de... Donc, écoutez, pour l'instant, on va faire le tour. Hein, blabla. D'ailleurs, j'aimerais bien voir un peu les nuages en haut.
Puisque maintenant que je peux voler, je peux atteindre les nuages. Et les nuages m'ont l'air assez solides en fait. Donc j'aimerais bien récolter un peu ces nuages. Ce serait marrant. Allez, monte, monte. Voilà. Nous y sommes. Et... Ah, cloud. Voilà. Donc c'est pas du tout solide, hein, on passe à travers. Est-ce que... Ah, d'accord, c'est... On passe à travers, mais pas en bas, pas le bloc d'en bas. C'est intéressant, ça, tiens. Est-ce qu'on peut le casser? Oui, apparemment, oui. Et ça fait un bloc de cloud, très bien. Très, très bien. Bon, bah, on va garder ça avec nous. Ouh! Allez, on saute pour atterrir plus vite. On fait gaffe de ne pas tomber quand même, parce que... On n'est pas en créative, les dégâts de chute, on les reçoit. Et voilà. Alors, il y aura des restes, évidemment, mais tout ça n'est pas très grave. Nous avons nos 4 lingots d'alumite. Et c'est ça qui nous intéresse, hein. C'est l'alumite. Donc, on fait fondre tout ça. Hop. Voilà. On prend nos 4 lingots d'alumite. Les restes, en soi, j'en ai... Je m'en fous un peu, hein. Qu'est-ce qui reste? Il reste obsidienne, iron et aluminium. On s'en fout, c'est que des nuggets. Donc on va casser ça. Hop. Je peux pas le récupérer, bien. Merci. Tac. Et tac. Tac. Donc ça, c'est bon. On va mettre, hop, silver. Deux silver et deux gold. Donc ça, c'est relativement simple à avoir. Hein. Deux silver. Les silver. Hop. Silver. Voilà. Silver qu'on a assez facilement. Tac, tac, tac. Où c'est que... Où sont les crushed silver? Voilà. Là, les broken silver. Qu'on a relativement facilement dans du gravier, hein, tranquillement. Voilà. Et en même temps, on va aller ici, pendant que ça fond, faire notre graine. Et voilà, nous avons l'acide, l'aluminium seed, que je planterai plus tard, parce que bon, c'est pas super intéressant non plus, donc on s'en fout un peu de ça. Tac. Et nous avons 4 molten électrons, hein, donc 2 avec 2 silver, et... On va prendre les... Les lingots, évidemment. Merci. C'est très gentil de ta part, petit Tinker Construct. Hop. Et nous avons nos 4. Passons ensuite au suivant. 2 nickel et 4 iron. En attendant que ça fonde, on va faire nos petites Electron Seed. Tac. Voilà, hein, c'est super passionnant, Magical Crops. Mais ça va nous servir. Un de ces quatre, j'espère. Je pense. J'en sais rien en fait. Hein. Évidemment, je ne sais pas du tout à quoi ça sert pour l'instant. Mais un jour, on le saura. Hein, normalement, on va poser notre petit cloud ici. Hein, voilà. N'importe quoi. En attendant que je fasse des conneries, ça a dû fondre. Même pas. Ah si, voilà. Et nous avons 6 lingots d'Invar. Bon, j'en ai besoin que de 4. Mais le fait est que nous ne pouvons en avoir que par 6. Hein. Bon, c'est pas très grave. Enfin, 3 par 3, disons. Ou alors, il faut des nuggets. Mais c'est relou à faire, hein, vraiment. Donc 6 c'est très bien, c'est des restes. De toute façon, après, avec les crops, on peut en avoir à l'infini. Donc il n'y a pas besoin de tergiverser. On en prend 4, on casse ça, hop, voilà, on remet. Et c'est très bien. En attendant, on va mettre nos coppers. Tac. On va mettre. Alors, 3 coppers et le silver, ça c'est pour... Ça, c'est pour celui qu'on avait vu. Et il me manque. Il m'en manque un. Hein. Il me manque une déstabilisée de redstone. Salut, Caroline. Tu veux bien me donner de la déstabilisée de redstone? Vas-y, peace! Allez, peace, Caroline, peace! Oh! Et voilà, nous avons notre quatrième.
Évidemment, pour le faire, il faut attendre que les tics reviennent à zéro. Hein. Et nous allons mettre tout ça ici qui va directement se déverser dans Tinker Construct, comme vous pouvez le voir. Hop, ce n'est pas du sang, c'est de la redstone. Et d'ailleurs, le signalium est prêt hein, déjà. 4. Ah, j'en avais besoin que d'un, tiens. Ah, bah, c'était mal calculé de ma part. Très bien, mais il y avait besoin que d'un seul saut, c'est... Bon, remarque, hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Très bien. Alors maintenant, il va manquer plus que le style. Le style, j'ai pas ce qu'il faut. Néanmoins, avec la ferme à mob, on loot des chaînes mail, des chaînes boots, des chaînes pantalons, hein, évidemment. Chain pants. Et grâce à ça... j'ai une autre 3, ouais. Grâce à ça, on va pouvoir faire du style. Parce que ces chaînes sont faites en style. Hein. Alors évidemment, ils ne sont pas faits en style dans Minecraft Vanilla, mais dans ce mode, ils sont faits en style et c'est très bien. Hop, du coup, on va faire fondre ça. Alors, un chaîne boots donne un lingot de style. Parce que il en faut, enfin il faut 4. C'est compliqué à expliquer, mais non, enfin non, c'est pas compliqué. Hein. En gros, 4, ça en donne un. Normal, c'est avec 4 lingots qu'on fait une chaîne boots et ça donne un style. Avec 8 chaînes mail, ça donne 2 styles évidemment. Donc 2 plus 2, 4. Voilà, très bien. Vous savez tous compter comme moi, ou peut-être mieux même. Voilà, c'est ici, hein. Le signalium, hop, nous avons notre signalium seed, pardon, l'invar seed. Et comme j'ai plus la place, hein, je m'emmerderai pas à les planter, je les coupe. Je les planterai dans un prochain épisode ou hors épisode. Donc voilà, ça fait un mountain seed, les chain boots. Donc là, ça m'en fait 2. Et avec la chain mail, ça va m'en faire 4, ce qui est... On peut commencer hein, déjà à les faire. Ce qui est suffisant, évidemment. Paf. 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 Et paf. Et voilà, nous avons bah, tout ce qu'il faut. Il ne manquera plus que le lumium. Mais le lumium, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on ne peut pas l'avoir. Donc, il faudra attendre l'énergie. Alors, je vais poser ça, je vais récupérer un peu de zivit... ouais, enfin, je vais essayer d'avoir du zivitcho parce que... bon, on plantera ça. Bon, j'ai pas envie de m'emmerder, voilà, très bien. Tac, 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 voilà. On se fait pas chier. On replante tout à la main. Évidemment, on pourra faire tout ça mécaniquement plus tard, hein, mais pour l'instant, c'est à la mano! Alors, est-ce que j'ai reçu... oui, 7, très bien. On prend ça, on prend ça. Et oui, normalement j'ai assez, hein. Il m'en faut 4 zivichos, j'en ai déjà 3 de près. C'est parfait. Alors, hop. Hop. Et hop. J'en ai un en trop, c'est pas grave. Axio essence, très bien. Ah! Et j'en ai peut-être pas assez en fait. Hein. Et non, j'en ai pas assez. Mince alors. Ah, vous voyez la quantité que ça demande. Ça en demande beaucoup. C'est pas grave, on fera peut-être ça dans. Ou dans la suite de l'épisode à la fin. Ou on continue. En tout cas, j'ai envie de continuer les quêtes maintenant. Parce que vous pouvez le voir, les quêtes ça avance. Hein. Alors, use an angel block. D'ailleurs, ici nous avons craft l'iron seed, je l'ai fait à part. Le diamond seed, c'est ce que je veux faire avec les ivichos. Donc pour l'instant, on ne l'a pas fait. Et hop, voilà, très bien. Plant flower in 5 biomes. Bah pourquoi pas, on va faire ça, écoutez. Alors. Use a diamond dolly to bring home 5 blaze.
D'accord. Bon, alors déjà, on va planter. Bon, ça, c'est relativement simple. Je sais même pas à quoi sert cette quête. Mais bon, nous avons nos 5 biomes. Et on va planter. On va planter. Qu'est-ce qu'on va planter? Un comme ça. Un comme ça. Un blanc. Et un vert. Il m'en faut un vert. Non, ça, c'est lime. Il est là, le vert. Voilà, très bien. Alors, je sais pas à quoi ça va servir. Ça servira sûrement à rien. C'est juste histoire d'avoir plusieurs plateformes, je pense. Mais bon, écoutez. Donc, on a un biome ici, dans le désert. Voilà, t'es content? T'as ta fleur? Un biome ici, la river. D'ailleurs, une fleur bleue, ça aurait été mieux, mais c'est pas grave. Voilà, t'es content? Toi aussi, t'as ta fleur? Pas de discrimination. J'ai un autre biome par là-bas. Quelque part. Au loin. Là-bas. Je le vois! Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute! L'herbe ne s'étend pas puisque c'est trop loin. Hein. Elle s'étend petit à petit, mais bon. Vraiment très petit à petit. On peut quand même planter notre fleur, très bien. Et maintenant, ça fait 3, hein, 3 biomes. Et maintenant, il nous reste plus que 2 biomes. Donc, le biome de base et le forest. Donc tout ça, c'est des plaines, hein. Vous avez pu voir, là, là, là. Le biome normal qui est un biome plaine. Et d'ailleurs, si, là. Est-ce que je suis toujours en... Ah non, je suis en forestier ici. Ok, très bien. Très bien, très bien. Bah, tiens, il doit y avoir de la terre ici. Parfait. Hop. Ah! Ah oui, bah oui, mais je ne peux pas la planter si... Bon, si, 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 regardez. Hop là, regardez. On va en gaspiller un, mais c'est pas grave. Voilà, très bien. Vous savez quoi? Allez, hop. Je fais n'importe quoi, le mec, mais bon, c'est pas grave. Tiens, tu veux ta fleur? Tu veux ta fleur? Ici, c'est une plaine. Voilà. Hop. 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 Voilà, t'as ta fleur. Voilà, il y aura une fleur comme ça dans les airs, n'importe quoi, mais c'est pas grave. Et il nous reste plus que le Forest Hill, et voilà, ça fera 5 biomes. Truc un peu inutile, mais c'est pas grave. Et en bleu. Voilà. Light blue, très bien. En fait, j'ai même pas besoin, puisque ici, nous avons notre pure Daisy. Donc les 5 biomes sont faits. Et c'est parfait, hein. Une quête d'accompli! Ouais! C'était pas la... Merde. Ah, on peut récupérer... Le... Ah, très bien. Je ne savais pas. On peut donc récupérer le... Ben, ça, c'est bien à savoir, ça. Ensuite, use diamond dolly. Bon, on va le poser parce qu'on s'en fout un peu. Voilà. Alors, diamond dolly, qu'est-ce que c'est que ça? Diamond Dolly. D'accord, c'est donc c'est un, ouais, c'est un diable. En français, ça s'appelle un diable. Alors pour le faire, il nous faut un Dolly. Et d'accord. C'est très simple à faire, hein. Et non pas un Doliprane, évidemment. Oh, je n'en veux pas autant, s'il te plaît. Hop. What? Non. Non. Là, au hack. Très bien, il va nous falloir du diamant aussi. On prend tout, comme ça c'est fait. Voilà. Tac. Hop. Avec notre petit bois ici pour faire notre dolly. Le dolly et 3 diamants. Et ça fait notre diamant dolly. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Il me semblait que c'était pour déplacer les coffres, mais apparemment on peut déplacer les spawners avec. Donc je vais voir si on... Je vais voir pour déplacer les coffres déjà.
Bon, j'en ai que des deux, hein. Bon. En gros, voilà, on va voir ça. Hop, je fais ça et tac. Et je dépose là, par exemple. Et voilà, merci. Et ici, nous avons le reste. Alors, c'est pratique hein, si on veut changer sans tout enlever à chaque fois. Parce que c'est vrai que c'est relou. C'est relou de tout enlever. Et donc, il nous faut des spawners de blaze. Ça, ça va être chiant. On va récupérer. Hop, hop. Après, chiant oui et non, puisque maintenant, avec l'armure, on a quand même 96% de damage en moins. Hein. Ce qui est relativement pété. Hop. Direction le Nether! Et voilà, nous sommes au Nether avec nos petits monstres qui ne peuvent pas nous atteindre puisque nous volons. T'es deg ou pas? Et évidemment, la plateforme, magnifique. Évidemment, on va pas aller à l'autre puisqu'il n'y en avait que deux. Et que j'ai préparé quand même l'épisode. Donc je sais qu'il y a qu'il y en a un par ici. Un peu plus grand ou pas. Mais en tout cas, où il y a d'autres spawners. Je sais pas, et qui devrait être plus près d'ailleurs. Il devrait, normalement. Alors j'avais essayé d'enregistrer les points de spawn, voilà là. Avec la minimap, mais apparemment à chaque fois qu'on change de nether et tout ça, ça réinitialise. Donc nous avons des blazes ici. Là, il n'y en a pas. Là! Alors, ah, tiens, je ne sais pas si on peut voler après. Ça, c'est problématique, par contre. Est-ce qu'on peut voler? Oui. Oui, on peut voler. Ah, ah. Difficilement. D'ailleurs, j'aurais dû en faire plusieurs parce que ça va être relou, les voyages. En plus, c'est relativement facile à faire. C'est vrai que j'aurais pu en faire plusieurs. Mais bon, bah écoutez, pour l'instant, on va faire ce petit voyage à... Diamant de lit full, 6 sur 6. Ah, on peut peut-être en prendre plusieurs, je sais pas. Ouais, je ne sais pas, écoutez. Alors, voilà, c'est ici. Je vais pas vous emmerder avec le trajet, hein. Évidemment, je couperai au montage. J'aime bien ton chapeau, toi, donne-le-moi. Non, non, tombe pas, tombe pas. Oui, oui. Merci pour le chapeau. Monsieur Bubbles. J'ai pas de coffre. Très bien, on va devoir faire le voyage à chaque fois. Eh bien, ben, je vais chercher tout ça. Et je vous dis à tout de suite. Re tout le monde. Et nous voilà de retour à la forteresse, évidemment. Avec, cette fois-ci, plusieurs diamants de lit. Et on va voir si ça marche, parce que ben, c'est quelque chose que j'aimerais bien savoir si ça marche. Hop là, on se casse. Donc j'en ai un. Voilà, très bien. On se barre, histoire qu'il ne nous touche pas. Il continue à nous suivre, hein, mais... Donc ça m'en fait 2 sur 5. Il m'en manque plus que 3. Il y en a un ici. Ah, ah! J'ai pas l'impression que ça ait marché. On va les tuer parce qu'ils vont m'emmerder. Quoique. Ah si, ça marche. Je peux en prendre plusieurs, très bien. Du moment que j'ai des diamants de lit, ça marche. Pas de limite de poids. Par contre, je suis beaucoup plus lent. Je regarde s'il en reste un. Sinon, on va à la prochaine forteresse. La prochaine forteresse qui sera celle qu'on connaît. Hein. Là-bas, il reste deux spawners. Bon bah très bien, allons à la prochaine, à tout de suite. Bon bah il se trouve que en allant juste à côté, j'ai trouvé un autre, une autre forteresse. Donc du coup j'ai même pas besoin d'aller à la prochaine, juste besoin de parcourir celui-là en espérant qu'il y a deux spawners. Mais bon, deux spawners, oui ils sont là, regardez. Voilà. Hop, on se barre, on se barre. Là, là, là. Hop, on se barre. Waouh. Et nous avons nos 4 diamants de lit remplis de blaze spawner avec l'autre que j'avais déjà de côté.
Et finalement, ça n'a pas réinitialisé la map, puisque je l'ai encore. Comme vous pouvez le voir, il y en a un ici. Voilà, moi j'avais pris... Ah si, ça a réinitialisé. J'en avais pris un qui était par ici, donc le plus éloigné, évidemment. Alors que ici, il y en a trois directement. Voilà. Bon. Enfin bref, du moment que je les ai, c'est bon. Je vous dis à tout de suite pour la suite des quêtes. Re tout le monde, et voilà, nous avons utilisé nos diamants de lit pour ramener 5 blazes à la maison. Et maintenant, nous allons commencer le travers, enfin le voyage, hein, vers la Deep Dark. Et pour ça, hop, Deep Dark. Dia-Deep, mais non, pas Dia-Deep. Deep, voilà. La Deep Dark, hein, c'est ce portail to the Deep Dark. Oh là 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 là, des unstablingos. Alors je crois que je suis dans la merde. On va faire ça. Il nous reste pas beaucoup de temps. Hein. Écoutez, je vais faire un essai. Si ça marche pas, tant pis. Si ça marche, tant mieux. Hein. Donc on va faire hop, quadruple compressed cobblestone. D'ailleurs, je voulais essayer quelque chose avec les semi-stables nuggets. Comment on fait ça? C'est avec des golden nuggets. On va essayer. J'aimerais bien essayer. Par contre, il va nous en falloir 4. Donc 4 fois 9. Hein. Ce qui fait 36. Hop. On m'a dit. Ça comme ça, voilà, 36. Ça, je vais les reposer. En soi, j'en ai pas besoin. Sauf si ça explose. Mais si ça explose, on fera ça dans un autre épisode. Donc, alors, j'ai le reste ici. Pas du tout. Je sais que j'ai reposé. Mince. Ah, je l'ai reposé là. Activate, elle est là. Il me faut du fer. Hop. Non, c'était pas du fer, hein, c'était du diamant. Du diamant, à force, je vais plus en avoir. Hein. J'ai toujours pas mon. Est-ce que ça a poussé? Non, ça n'a pas poussé, on fera ça dans le prochain épisode. Toujours pas mes diamants, du coup. Ma graine de diamant. Et là, on va essayer. Je sais pas si ça explose, hein, c'est un test. Alors, on va essayer déjà avec 1. D'ailleurs, en soi, est-ce que ça explose? Ça n'a pas l'air d'exploser. Donc les semi-stables n'explosent pas. Bon à savoir. Il m'en faut 9. Donc j'essaye hein, parce que ça coûte plus cher. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Attendez, ça coûte plus cher, c'est que c'est pour une raison. Hein. Nous avons nos 8. Enfin nos 9, pardon. Et si on fait ça. On a une instablingo. Qui est-ce qu'elle explose? Elle est stable! Mais c'est magnifique! Mais c'est magnifique ça! Hop, hop, hop! Pam! Bon, ça utilise beaucoup de diams, mais un jour ou l'autre, on aura des diams à l'infini. On va redéposer ça ici. Voilà. Voilà, j'en ai plus que 29 hein, de diams, tant pis. Et en tout cas, nous avons nos unstable lingots qui sont stables. Donc, ils sont plus instables, hein, évidemment. Parce que, hop, hop, hop. Mais c'est magnifique! C'est magnifique. Et ensuite, il nous faut des quadruples compressed cobblestone. Ça, c'est rien de plus facile à faire. Hein. On va prendre de la cobble. Tac, 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 tac. Je sais pas combien il en faut, mais c'est pas grave. On va prendre un max. Voilà. Hop. Juste que je me rappelle. Tac, tac. Pouf, pouf. Voilà, hein. Oui, c'est ça. Donc ça fait hop, la compressed. Ça, on va faire comme ça va aller plus vite. Tac, tac. Tac.
Allez, allez. Hop. Ça pour avoir. Ah, tiens. Voyons voir. Parce que là, ça m'en fait 8. 8 doubles. Ah ouais, en fait, ça coûte très très cher. Parce qu'il me faut des quadruples et un quintuple. 59 000 cobblestone. Waouh, oui, ça coûte très 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 cher. Ça coûte vraiment très cher. On va devoir faire ça. Je vais essayer de le faire assez rapidement. Bon, vous avez compris le principe. Donc... Mince. J'ai pas assez. J'ai pas envie non plus de passer 20 ans. Ah si. J'ai pas non plus envie de passer 20 ans dessus. Donc je vais zapper ça. Et on se retrouve avec le portail du Deep Dark. A tout de suite. Allez, on arrive au bout. Tac, 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 tac. Un quintuple et quatre quadruples. Voilà, j'en peux plus. Je suis mort et enfin, heureusement que ça n'allait pas exploser parce que jamais de la vie j'aurais eu le temps de faire tout ça en aussi peu de temps, sachant que, bah, regardez, hein, ça continue de monter, ça monte assez rapidement, mais pourtant je l'ai vidé, mais comme pas possible. Oula, non, je veux pas tomber. Pas maintenant, non, je ne veux pas mourir. Et donc, on avait dit que c'était comme ça, comme ça, comme ça. Hop, un au milieu, un quintuple au milieu, et ça, comme ça. Et ce qui nous fait le portail pour la Deep Dark. On va poser, on va poser à côté du portail de Nether, même si on fera peut-être une zone exprès pour les téléportations comme ça, parce que ça a pas l'air. D'accord. Bon, très bien. Hop, je suppose qu'il faut se mettre au-dessus. Et non. Un clic droit. Ok, c'était un clic droit et what? Nous nous retrouvons dans un cube. Très bien. J'ai rien pris en plus, j'ai pas pris de. J'ai pas pris de pioche. C'est très long. Non. Bon, eh bien, ben, c'est la fin de cet épisode, hein. On découvrira s'il y a quelque chose derrière ces murs dans le prochain épisode. Merci à tous de m'avoir suivi. Bisous à tous, bye bye. Thank you.